On va faire les DCE 80+, parce qu'au bout d'un moment, autant tenter la chance un petit peu. Ça peut être assez intéressant. Après, c'est cumulable jusqu'à je sais pas combien de temps, mais autant, pourquoi pas, vider le club. On a pas mal de trucs. Autant aller tenter la chance d'aller récupérer les petits trucs, tu vois. Yeah, les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Après, est-ce que c'est pas plus logique de faire éventuellement les grosses affiches avant? Parce qu'à tout moment, on est dans la merde et voilà. Après, comme je dis là, je pense que la recherche, elle va être, tu vois, vu le nombre de crédits que j'ai, faut que je me mette à l'achat-revente. Faut vraiment que je prenne une formation là-dessus pour aller faire masse thune et puis aller chercher des joueurs que je n'ai jamais pu m'offrir dans ma vie, tu vois. Genre, cette année, je sais pas, j'ai envie d'avoir R9, tu vois. C'est ma dernière année sur FIFA, j'ai envie d'avoir R9, tu vois. J'ai jamais vraiment eu R9 de ma vie tôt dans le jeu. J'ai envie d'aller m'acheter R9. Donc, éventuellement, on va essayer ça, quoi. Un trio Rooney, Tevez, Berbatov, Parks, Scholes, Beckham, Bidichan. Ah oui, après, il y a une belle équipe Manchester à faire, c'est clair. Le dernier passé, on a fait ça, je sais pas trop. Ok, donc ça, on a fini. Donc, on est pas mal. Vas-y, on va déjà ouvrir les petits packs là. On verra après ce qu'on fait. On va essayer de faire des 80 plus sur de la récup si jamais c'est non vendable. Et puis, let's go. Mais ouais, donc du coup, je pensais qu'on allait plus de choses, hein, des défis qu'on avait fait l'année passée, mais apparemment non, du coup, donc bon, bah, c'est pas grave. Real Madrid, tiens, j'avais pas vu la si elle est mis ou pas. Non, ce n'est pas minimé, c'est Brahim, donc ça c'est tout vendable, mais du coup, vu que ça a aucune valeur, hop, pack prime joueur mélangé. On n'a pas eu de dinguerie hein, dans nos packs hein, en vrai. Aldosari. Vas-y, on va prendre le pack nouvelle ère, même si on pense qu'il n'y aura rien dedans, logiquement. Mais je pensais vraiment qu'on aurait plus hein, de récompenses. Apparemment, ça arrivera peut-être plus tard, mais... Forcé de constater que, bon, c'est pas dingue, quoi, là, pour l'instant. Qui es-tu? Google Pixel Frauen Bundesliga. Elle a joué à Sarrebruck. Ouais. Enfin, pas intéressé, hein. Pays-Bas gardien. Brentford. Flecken. Enchanté monsieur. Après, il y a des joueurs frérot qui sont boostés. Genre là, le mec de Ligue 1, là, l'attaquant des côtés là, de Lyon. Il a déjà 99 en agilité et on atteint déjà le maximum des statistiques. C'est tôt quand même moi je trouve. Hein. Bon, on n'a pas fait une animation avec ce TSBC, on va peut-être pas les forcer, hein, j'avoue. Ah bah Camavinga. Ils m'ont entendu le jeu. Peut-être faut que j'annonce des plus gros joueurs, ça marchera. À tester. Prévisualisation. Ah, c'est animé, je crois, les gars. Dans un prévisualisé animé, moi je prends de ouf. Hein. Magnifique. Ça, c'est les bonnes nouvelles du jour. Pack prévisualisé, boum, on est worse. Bien sûr, je prends, monsieur. En plus, 1000 crédits. Comment t'arrives à voir que c'est animé? J'ai rien capté. Ah, oh, ouais, non, c'est bon, je vais pas faire le tuto tous les jours, les gars. Hein. Hop là, trop bien. Vas-y, on pourrait faire un deuxième du coup. Allez, R9. Ah, là je crois pas qu'on va l'acheter là, celui-là du coup, les potes. Kamada, je suis pas sûr. Hein. Ouais, non, il y a pas... Allez, pack en promo, on va ouvrir les packs à 600, que j'aime bien. Et après, on va essayer d'aller jouer un truc comme ça. Hein. On va avancer un peu, hein, si on peut. C'est animé les gars, portugais. Cristiano Ronaldo. Wow, bon, ça vaut plus grand chose, hein, d'accord, mais ça fait toujours quelque chose de packer Cristiano en vrai. Hein. Oh là là, la dogs. Le BU pour ton fut champ. Ah, je suis pas sûr. Ah, il vaut plus grand chose, c'est clair, mais ça fait toujours quelque chose de packer quand même Cristiano, quoi. Tu vois, il est à 20 000, trop compte, 20 000 crédits Cristiano Ronaldo quand même. C'est ouf, hein. On va garder pour le moment. Tu te rends compte que Ronaldo, déjà à ce moment-là de l'année, c'est un faudeur, quoi. Le respect est mort. Hein. C'est plus Messi dans l'équipe. Ouais, alors là, après, en termes de lien, ça va être compliqué à gérer, mais incroyable. Vas-y, je vais préparer les rouges, je les ai pas préparés aujourd'hui. AG Arsenal. J'ai pas fait gaffe. Une voiture. Une petite Ford. Au top. J'ai une question, comment tu vois quand il y a une double anime? Bah en fait quand
Là, tu vois, la note, elle monte, tu sais, ça part de 60, ça monte. En fait, quand tu affiches le joueur, là, il a déjà sa note générale. Donc, quand tu as une animation et que le joueur a déjà sa note générale, sans que ça monte, ça défile, ça veut dire que c'est une double anime qui arrive derrière. En gros, c'est ça. Ouais, yay. Ouais, y a un petit billet à se faire, on prend. Hein. On a packé le deuxième GOAT. On a packé Messi, on a packé Ronaldo, on a plus rien à faire. R9. Allez, Handler, je t'aime bien. Mais c'est animé, Handler, non? Ah non, c'est 85, je crois. Ah oui, c'est animé, mais les gars, oh. Hey, mais le pack opening, il est sympa, hein. Ça fait des petits credos, ça. Hein. Oh, j'ouvre un pack, vous voyez rien comme ça. Vous allez la surprise à la fin. Oh, les gars. Oh, oh putain. Bon bah du coup on va faire une draft plutôt aujourd'hui hein. Allez ça marche, on va en draft. Est-ce que tu veux choisir un thème ou est-ce qu'on fait une draft pour essayer de la gagner? Tu me dis. Et un but légendaire en plus. Essaye de la gagner, ça marche. Donc je dois faire une draft avec un but légendaire. Donc but légendaire, je vous le rappelle, c'est soit un long shot de méga loin, soit un essai de, tu vois, petite reprise de volée ou bicyclette ou etc. Tu vois, c'est ce qu'on va tenter. On finit pas opening. MC City, attends, j'ai pas fait gaffe. Ah merde. C'est pas animé. Coup du scorpion avec Messi. Bah le problème c'est que là il le faut en draft hein. Parce que là on doit aller en draft. Ça va être cool en plus, petit draft, ça fait plaisir. Allez, encore un pack. Et le pack opening est terminé. Mais on a packé le deuxième GOAT du jeu. Ronaldo. AD anglais. Arsenal. Mid, mais c'est animé ça aussi. Bah franchement c'est pas mal hein. Pack opening sympa hein. Ce petit pack opening pour se mettre de bonne humeur. On a packé une petite animation dans le pack à 16500. Hop, on pack après trois animations dont Cristiano Ronaldo. Franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir d'être venu quoi. En vrai hein. Magnifique hein. Il a 2 millions, je pleure. Non, on a pas 2 millions, il a quand même pas. T'es Renato. Ah bah je l'ai jeté. Ouais, c'est vrai que je fais pas très attention à tout le reste. Bon bah les gars, le petit pack opening était sympa. On a packé le deuxième GOAT, je suis obligé de le mettre sur YouTube. On pack Cristiano Ronaldo sur cette fin de FIFA, enfin sur cette fin de ma carrière FIFA. Obligé de le mettre sur YouTube les gars. Désolé hein. Et on y va comme ça hein. J'ai pas le choix, je crois. Ouais, c'est vraiment ce que je peux faire de mieux à l'heure actuelle. Bon, on verra, écoutez. Ouais, bon. Il n'y a pas pour rien de faire une bicyclette là, c'est dur. Bon, allez, un ciseau. Allez, les gars, let's go. Merci beaucoup, frérot. Mais en vrai, c'est pas un but vraiment fou. C'est un ciseau. Laissez-moi tranquille. Allez, à plus. Prenez soin de vous.